rectangle de granit, un monument de briques et long mur noir durant des lieues, immensément par les banlieues et sur les toits, dans le brouillard, aiguillonné de fer et de paratonnerre, les cheminées, se regardant de leurs yeux noirs et symétriques, par la banlieue à l'infini, ronflent le jour, la nuit, les usines et les fabriques. Je crois qu'on était les derniers hommes de Cro-Magnon. On imagine Germinal, c'était pareil. Au niveau travail, il y avait du travail, puis l'ambiance était extraordinaire. Bon, c'est comme dans toutes les boîtes, hein. Les bonhommes, ça s'engueule, mais ça se passait toujours bien. Et puis, par contre, c'est vrai que quand on avait fini la journée, elle était finie. On faisait pas des folies de notre corps quand on avait fini, parce qu'on était bien crevés, hein. On était morts sur les rotules. C'était un travail, mais incroyable, très très dur. Mais on avait tellement l'habitude, on était des machines, hein. On était habitués. Hein. Mais il y avait des monstres, des gars qui travaillaient, c'était des monstres, des bosseurs, des... Oh, des pom, pom, pom. Quand on les connaît, on dit, eh là, c'était des sacrés roublards, les gars. Mais, vous savez, c'était comme une pinesse, ma biche. Les gars disent, oh non, non, je sais pas pourquoi ça marche. Ah non, non, ça marche pas, puis, et ça marchera pas. Et il y a longtemps que ça marche pas. Hein. C'est... Quand on voyait ça, il dit, alors, qu'est-ce qui le fait? Ça, c'était des anecdotes. Mais bon, quand il fallait travailler. Hein. C'était ça. Le matin, il y avait un rituel aux usines de Navarre. C'était deux femmes, des ouvrières. Ils avaient un temps alloué pour aller distribuer le thé ou le café dans les ateliers. C'était un café qui tenait la route. On était tranquille, on n'était pas prêts de dormir quand on avait bu ça. Mais bon, c'est bien dommage d'avoir laissé cette usine en abandon. Surtout encore certains bâtiments qui étaient quand même bons. Parce que dans le temps, bon, je ne l'ai pas connu, hein, c'est par mes anciens. Il y avait quand même une salle de bal. Non, mais voilà, c'était une usine extraordinaire. Ça, c'est une vieille photo. Merci, Ben. Hein. C'est des photos qui ont été faites après la guerre à la demande de M. Bertrand de Pouget par avion. Alors ça, c'est historique, parce que Navarre, c'est quand même une usine historique, faut pas oublier. C'est d'abord et avant tout l'histoire. Usine de Navarre. La société est implantée à la sortie sud-ouest d'Évreux. Une activité industrielle existait sur le site depuis la moitié du 19e siècle. Fabrication de petits articles métalliques. Et c'est en 1895 que l'entreprise est née sous sa forme juridique actuelle, fondée par M. Henri Fourchet. Le début de ce siècle a vu le passage de l'activité purement manufacturière à une activité métallurgique lourde avec la création d'une fonderie de laiton et d'un atelier de laminage à chaud et à froid de bandes de laiton. L'abeille, emblème des usines de Navarre, symbole d'immortalité et de résurrection, l'abeille était l'emblème de la royauté dès les Mérovingiens. Napoléon reprit cette symbolique afin de rattacher l'Empire aux origines de la monarchie française. L'abeille incarne également l'activité laborieuse et la fécondité. J'ai récupéré ça. Ouais. C'était la réclame qu'ils faisaient pour leur fameux réchaud. Un litre d'eau en 5 minutes quand même qui fait bouillir. Hein. Vous savez, les journées, elles étaient toujours plus ou moins égales à elles-mêmes. Les gens arrivaient, il y avait des 2-8, des 3-8. Il y avait des gens de journée. Quand je suis arrivée à Navarre, le sentiment qui m'a le plus choqué, c'est on est dans les maisons d'usine, on vit dans les maisons d'usine, on se marie dans les maisons d'usine et on meurt dans les maisons d'usine. Et avant, bien avant, mais j'ai connu des gens qui ont connu la piscine de Navarre. Il y avait une piscine dans l'usine pour les ouvriers. Les gens étaient heureux de venir travailler. C'était une autre époque. Finalement, Navarre, c'était les usines. Les vieux habitants de Navarre s'en souviennent encore. Depuis les années, oui,
les années 30, c'est devenu une fonderie, avec sa fumée qui sortait, donc qui rythmait la vie de, à la fois de l'usine et du quartier. À l'époque, il y avait également une desserte par le train qui arrivait jusqu'à Navarre. Moi, j'ai connu Navarre quand j'étais jeune, c'était vraiment un village. Les gens, d'ailleurs, l'appelaient le village. J'étais embauché en 1960 et j'en suis parti en 1986. C'est le duc de Bouillon qui avait des terrains dans le coin, qui a cédé des terrains. Donc il a construit une usine pour faire en particulier des dés à coudes, des aiguilles, choses comme ça. Comme il était au bord de Liton, il y a l'hydraulique hein, pour faire pour tourner les machines. Ce monsieur, à un moment donné, il a pris sa retraite et comme il n'avait pas d'enfant, il avait son ingénieur, monsieur Fauché, qui a repris après lui. Et c'est là que sont apparus les Dupouget, parce que c'est une fille Dupouget qui s'est mariée à monsieur Fauché. C'est comme ça que les Dupouget sont arrivés comme propriétaires et patrons de l'usine. Oh, j'ai adoré hein, cette époque. Quand j'ai commencé à travailler, l'horaire c'était 48 heures par semaine. Moi, l'entretien c'était 48 plus 5. On avait 3 semaines de congés payés, bloqués sur août. Tout le monde étant parti en vacances, les équipes d'entretien étaient là pour faire de la maintenance des machines. Mais quand je dis ça aux jeunes, oh là là, non, attendez, on n'avait pas le stress que les gens ont maintenant. À l'époque, il y avait, que je ne vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, il y avait 5 ateliers. Il y avait ce qu'on appelait le feuillard, où il abinait de l'acier. Il y avait le barreau, où il tréfilait du laiton, par exemple pour faire des cadenas. Il y avait la fonderie, pour faire les billettes pour le barreau. Il y avait le laminoir, laiton. Et il y avait là où j'étais, moi, aux petits produits. Les petits produits, c'était les lampes, les à-coudes, j'en passe les meilleurs. Et c'est là que j'ai commencé mon travail. Et à l'époque, on avait des 5-10 minutes de fou rire. On se marrait. Ah là, ça éclatait. Ah, fallait voir. Mais au bout de 10 minutes, hop, on partait au boulot. Alors il y en a qui s'amusaient à faire des lanceurs de flammes, vous savez, comme dans les cirques. Hein. Alors ils prenaient de l'acétylène, des réchauds, ils mettaient de l'acétylène à la bouche, une allumette, hop. On a eu à une époque, on a eu des Russes aussi, ils sont venus travailler un petit peu. Alors eux, c'était. Ils se saoulaient à l'acétone. Ah oui. Ah bah attendez, la fanfare. Alors, ils jouaient le samedi, dimanche, mais l'entraînement se faisait dans l'usine. Tous les jours, on s'arrêtait pendant une heure, puis dans l'atelier, ta-da. Ils entraînaient. Ah oui. Alors les dés à coudre, c'est un truc qui est très très vieux. Hein. On les vendait par 12 et dans un colis 12 x 12. Et on appelait ça une grosse. C'était 144 dés. Et alors des dés à coudre, on en fabriquait, je ne vous dis pas de bêtises, moi à mon époque, on en fabriquait je crois de l'ordre de 3 millions par an. Les gens que j'ai admirés aussi dans cette usine, ce sont les femmes. Parce que l'hiver, le samedi et dimanche, l'usine n'est pas chauffée. Donc les filles, malgré tout, il fallait qu'elles prennent des pièces froides avec les mains, pleines de gras. Et fallait qu'elles travaillent. À l'époque, c'est pas comme maintenant. Hein. Alors le labo, c'était surtout pour le laiton. Ils faisaient de la bonne qualité. C'est ça qui est terrible d'ailleurs. Les gens, ils donnaient tout leur cœur dans l'usine. C'était leur usine. Moi, j'en ai un bon souvenir. Personnellement, j'en ai un bon souvenir. Moi, j'ai aussi trouvé ma femme. Ça se faisait beaucoup, ça, dans les entreprises à l'époque. On pourra en parler des jours. Hein. C'est toute une vie. Hein. C'est toute une vie. C'était une bonne usine, c'était une usine familiale, disons. Mais je me rappelle, mon grand-père me disait que pour entrer aux usines de Navarre, il fallait avoir l'accord du curé. Chacun faisait son petit boulot, voilà. Ouais, c'était une bonne époque. On était contents de venir travailler, de toute façon, il fallait venir travailler. Mais on n'y allait pas à reculons. Il y avait M. Bernard, directeur, ça c'était un bon directeur. Tous les matins, il passait dans les ateliers avec son petit calepin et il marquait. Et il y en a plus d'un qui a voulu hier récupérer son petit calepin pour savoir ce qui marquait. Il devait coûter cher. On a fini à 40 ouvriers. On connaît la suite. Ça a fermé. Donc, je me présente. Je m'appelle Dominique Lecomte. Hein. Je me suis retrouvé en 1998 aux usines de Navarre. On avait une petite équipe d'une dizaine de personnes.
Les gens faisaient attention à ce qu'ils faisaient. Les gens étaient dans un état noir. C'était un peu du Zola. Hein. Et après, en 2000, de mémoire, ça doit être 2004, l'usine de Navarre était contrainte de fermer définitivement. Donc après, j'ai demandé à l'administrateur si je pouvais racheter un parc machine. Le parc machine que j'ai racheté aux usines de Navarre date des années 50. Hein. Quand vous modernisez, vous affinez. Et nous, on est devenus affineurs sur ce marché. Nous, on cherche la précision. On fait du hors norme chez nous. Donc, on a redonné une deuxième vie à ces machines qui sont fiables. Oh, les quartiers rouillés de pluie et leurs grandes rues, et les femmes et leurs guenilles apparues. Au carrefour, porte ouverte, les bars, laiton, cuivre, miroir à gare, dressoir d'ébène et flacon folle, d'où l'huile alcool et des gens sous, debout. De grands marteaux monumentaux broient des blocs d'or sur des enclumes. Sous de grands toits où scintille le verre, gronde au fond des cours, toujours les haletants battements sourds des usines et des fabriques symétriques.